Bonsoir à toutes et à tous. Quelques petits mots à propos de cette pièce que j'ai écrite l'année dernière, en 2018. Cette pièce est venue assez bizarrement, puisque en 2012, l'Opéra de Marseille avait créé mon concerto pour flûte, et ce concerto pour flûte, c'était un petit concerto baroque. Je travaillais sur le monothématisme, comment en musique contemporaine, avec peu de matériaux, on peut arriver justement à faire quelque chose d'ample et volumineux, et puis finalement, ça s'est retrouvé dans un petit concerto pour flûte à trois mouvements. Et je me suis dit que ça serait bien de donner une suite à ce concerto et de continuer à travailler un petit peu dans cet esprit. J'avais donc l'idée d'écrire à la base un double concerto, une sorte de concerto grosso pour saxophone, clavecin et orchestre à cordes. Et en fin de compte, plus le travail avançait et moins le clavecin avait sa place dans l'orchestration. Donc du coup, j'ai enlevé le clavecin, j'ai écrit une pièce à part pour Jean Rondeau, le claveciniste français. Et puis ensuite, j'ai donc commencé à travailler sur cette pièce pour saxophone en essayant justement de choisir des instruments dans lesquels le timbre du saxophone serait systématiquement noyé. Vous allez voir qu'en fin de compte, c'est un concerto pour saxophone qui finalement n'en est pas un du tout, puisque de par le titre, par-delà des derniers souffles, le musicien, donc Joël, le saxophone, va essayer pendant les 12 minutes de la pièce d'imposer justement son rôle de soliste sans jamais y parvenir. Quel que soit le chemin esthétique qu'il va emprunter, vous verrez des fois un petit côté un peu jazzy, différents univers qui vont cohabiter dans une seule et même esthétique, et au fur et à mesure que le saxophone et que la pièce avancent, le soliste va essayer de proposer des idées pour essayer justement de sortir du lot sans jamais y arriver. Donc vous allez voir que maintenant Joël va faire des petites merveilles, comme il l'a fait tout à l'heure à la répétition, à un corps à corps. Et en tout cas, merci de votre écoute et merci de votre patience aujourd'hui. Thank you.
Thank you.